Readability est un outil qui permet de transformer des pages web de façon à les rendre plus facilement lisibles. C'est-à-dire doter de la page web tous les éléments qui peuvent nous distraire en mode lecture. Dans ce tutoriel, nous allons voir comment installer Readability sur votre navigateur. Rendez-vous sur le site de Readability, www.readability.com. Il vous est possible d'avoir un compte sur Readability, et à ce moment-là, vous aurez des fonctions de mémorisation des pages que vous aurez transformées. Il faut donc créer un compte pour cela. Mais on peut très bien se servir de Readability sans avoir un compte sur Readability. Pour cela, nous avons des outils proposés sur le site web que vous trouverez en haut de la page d'accueil, en cliquant sur Apps and Add-ons. Readability peut fonctionner sur toutes sortes de dispositifs de consultation et de lecture, en particulier sur iOS, iPad, iPhone, Android, etc. Ce qui nous intéresse ici plus particulièrement, c'est l'utilisation de Readability pour lire sur le web lui-même, c'est-à-dire sur un ordinateur classique. Pour cela, il y a une extension sous Firefox, ce qui va vous permettre d'intégrer l'outil Readability dans votre navigateur. Pour cela, cliquez ici pour installer l'extension. Redémarrez votre navigateur. Le navigateur Firefox a été redémarré et vous pouvez constater que trois boutons se sont rajoutés dans votre barre d'outils. Ce bouton pour sauvegarder votre article dans votre compte Readability, un autre bouton pour envoyer votre article sur un Kindle, et enfin un troisième bouton, celui qui nous intéresse dans ce tutoriel, le bouton Read Now, qui lui ne requiert pas la création d'un compte sur Readability et qui va vous permettre de nettoyer les articles que vous trouverez sur le web. Si vous utilisez un autre navigateur que Firefox, l'installation de l'extension est également possible. Si par exemple vous utilisez Google Chrome, cliquez sur Apps and Add-ons. C'est cette fois Readability pour Chrome qui apparaît. Vous n'avez plus qu'à cliquer sur le bouton Install Now pour installer l'extension sur votre navigateur Google Chrome. Donc nous avons vu comment installer Readability. Nous allons maintenant voir comment il fonctionne. Pour cela, allons sur un site web. Prenons par exemple Internet Actu. Cliquons sur un article, celui-ci par exemple. Vous pouvez voir que la partie à lire contient beaucoup d'éléments qui vont gêner notre lecture, qui vont nous distraire, et qu'elle est entourée par beaucoup d'éléments de distraction. Donc, je vais rendre cette page plus facilement lisible avec Readability. Pour cela, cliquez sur le bouton Read Now. La page est en cours de conversion. Et voilà, la page est convertie, ce qui va me permettre de la lire beaucoup plus facilement. Si maintenant vous ne voulez pas totalement intégrer Readability dans votre navigateur ou si vous utilisez une machine qui n'est pas la vôtre, il y a un mode plus simple d'installation de Readability que l'extension sur votre navigateur. C'est la bookmarklet. La bookmarklet, c'est un script qu'on déclenche via le système des bookmarks, c'est-à-dire via le système des favoris du navigateur. Pour installer la bookmarklet Readability, allez sur le site de Readability. Une fois sur la page d'accueil, cliquez sur Apps and Add-ons et ici, vous voyez l'intitulé Bookmarklets. Cliquez ici ou sur l'image ici. Vous allez maintenant pouvoir faire glisser cette Bookmarklet, Read Now, dans votre barre personnelle. Alors si votre barre personnelle n'est pas affiché, comme c'est le cas ici. Pour l'afficher, allez dans Affichage, si vous utilisez le navigateur Firefox, Barre d'outils et Barre personnelle. Une fois que votre barre personnelle est affichée, vous pouvez faire glisser la bookmarklet Read Now
dans votre barre personnelle. Voyons comment cela fonctionne. Allez sur un article. Alors attention de bien faire fonctionner Readability sur un article et non pas sur une page d'accueil. Alors voici l'article, nous allons débarrasser cette page web de tous les éléments qui gênent notre lecture. Et pour cela, cliquez sur la bookmarklet Read Now. L'article est en train d'être converti. Voilà, l'article est débarrassé de tous les éléments qui pouvaient gêner notre lecture. Dans le tutoriel suivant, nous verrons les différentes fonctions que nous offre Readability.